Bonjour et bienvenue sur notreprof.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment accélérer le démarrage de votre système d'exploitation. Pour ce faire, vous allez lancer votre base d'enregistre. Donc, ça soit vous appuyez sur la combinaison Windows R et puis vous tapez Regedit, comme ceci, pour lancer la base d'enregistre. Ou bien vous passez directement par Démarrer et là vous tapez Regedit. Et vous validez par entrée, puis confirmer par oui. Et là, vous avez votre base d'enregistre. Donc, nous allons modifier une clé. Cette clé, on va aller le chercher dans HK Local Machine. Ensuite, dans Software. Ensuite, dans Microsoft. Et puis, on va aller chercher DF, donc défragmentation. Et là, dans Boot. Optimize fonction. Nous allons voir là en fait. Nous allons modifier cette clé là. On va le mettre sur No, donc comme ça. Et puis on valide par OK. Cela va permettre, c'est-à-dire comme Microsoft, et à chaque fois qu'on va allumer votre ordinateur, le système d'exploitation il défragmente automatiquement, ce qui ralentit le démarrage de votre système. Donc l'astuce de le mettre sur No, ça vous permet en fait de démarrer votre système d'exploitation sans défragmenter. Ce que je conseille, de temps à autre, il vaut mieux de faire la défragmentation. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment défragmenter un disque dur de votre ordinateur. Voilà, je vous dis à très bientôt sur notreprof.fr pour d'autres vidéos. Au revoir.